Ah, les amis, comment on se retrouve sous cette nouvelle vidéo de Avengers? Tes amis sont PS5, c'est parti pour le DLC. Continue. Hop, Michael Bishop. Avengers, bien. Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Certains connaissent déjà Kate Bishop, anciennement Hawkeye. Oh, on se connaît. Au passage, si j'entends Katie, c'est direct une flèche dans l'œil. Tony! Hey! Ah non, si je peux pas t'appeler Katie, hors de question que tu m'appelles Tony. Autre chose alors? Slip de fer? Oh non. Tas de ferraille? Non. Géant de fer. Ça, j'aime bien. Je vois plus l'intérêt du coup. Alors, tu bosses pour le Shield? C'est compliqué. Oui, Clint. C'est compliqué aussi. L'AIM a capturé l'agent Barton il y a quelques années. Depuis, on n'en sait pas beaucoup plus. Clint et moi, on cherchait à savoir ce qui était arrivé au directeur Fury après le Hayday. Quelque chose clochait dans la version donnée par l'AIM. On devait pas être loin. On est tombé sur ce projet de Tachyon, et là, Clint a disparu. Je suis sûre qu'il y a un lien. Les perturbations tachyoniques, Clint, Fury, tous ceux qui s'approchent trop près disparaissent. Mais on sait une chose. Il y a un type au centre du projet, le docteur Lyle Getz. Si on lui tire les vers du nez, on pourra s'infiltrer et mettre un terme à leurs travaux. Et on peut le convaincre de retourner sa veste? Le convaincre? Lui faire remettre en question ses décisions? Enfin, on verra bien. C'est simple, ça me plaît. Eh ben, c'est quand tu veux, slip de fer. Hey, Kate, attends un peu. Ouais, quoi? Alors, on va pas du tout en parler? Tu sais qu'on te croyait morte. Personne n'avait de nouvelles. J'ai essayé de vous contacter au début, mais rien. J'allais quand même pas vous appeler tous les jours pendant 5 ans. Je sais que vous deviez avoir vos raisons, mais j'ai bien compris que vous vouliez pas de nous. Je pensais que ce serait plus sûr pour toi. Tous ceux qui étaient au Hayday étaient rejetés, pris pour cible. Mais les choses ont changé. Enfin, si t'as envie de revenir... On verra. Hey, je t'ai préparé un petit quelque chose dans la pièce arme. Donc là, voilà, je suis Kate Bishop. Hop. On n'a jamais joué avec ce perso, hein, je crois. Non, ce perso... Non, non. De grâce. Touché mon signe, ça. Hop. Bon, alors, où ça bloque là? Que j'ai besoin d'entraînement? Parce que c'est l'impression que ça donne. Non, non, c'est juste au cas où toi, tu voulais garder la forme. Ou relâcher la pression, faire du cardio. C'était juste pour te taquiner, tu sais. D'accord. Ok. Je crois que ça me manquait. C'est si bizarre que ça? Pas la peine de me répondre. C'est bizarre. Puis ça fait quoi comme mission, là? Bah, qu'est-ce que je dois faire là? Terminer la génération d'Avengers. Bah alors, je suis pas dans le truc. Je viens d'Avengers. C'est quoi la mission que d'Avengers? Entraînement arme de Kate Bishop. Je crois pas que c'est ça.
Ouais, je sais pas ce que c'est, quoi. Ah, d'accord, ok. Allez, go. Qu'est-ce que ça va être, Kate Bishop? Bon, les vidéos de surveillance montrent un type qui se dirige vers ce complexe vers 5 h du matin. On l'a... Allons trouver Gates alors. On va d'abord devoir passer la sécurité. Ça va être compliqué de passer incognito. Il surveille toute la zone. Le combat sera inévitable. T'es en prête pour ça, Kate? C'est pas moi qui ai passé les 5 dernières années à jouer de l'air guitare la nuit. Suis-moi. Allez, c'est parti. J'ai toujours cru que c'était bon, la fille d'Okaï, moi. À la hauteur. On verra si on aperçoit la forteresse ici. Je détecte un convoi de prisonniers droit devant. Des prisonniers? Ils sont sûrement en route vers cette forteresse. Patrouille de la IM, droit devant. Patrouille de la IM, droit devant. Ouh, ça sera un bon entraînement. Ouais, c'était les portes, ouais, c'est vrai que c'était les portes. Si la IM veut se faire de nouveaux amis, il ferait mieux d'arrêter de kidnapper des gens. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Je voulais voir si je peux sauver personne pour mon trophée. Non, ça c'est un coffre avec. Bon, tant pis. Voilà. Ah, je peux pas aller par là aussi. Ouais, hop. Non, là c'est pas pour sauver. Bon, tant pis, allez, on va à la mission. Attention des gardes. Je vais aller ouvrir les cages. Il faut viser les verrous sur le côté pour exploser leurs points faibles. T'as l'air de t'y connaître. Un peu. Putain, je vais faire vite. Allez, casse-toi. Une cage de moins. On va pouvoir... Ouais, ils sont bizarres un peu ces techniques. Je suis pas très très fan. Vous avez trahi Starlink City. Allez, retourne ça. Oh là là.
Ouais, j'ai fait le coup spécial, bon, je t'avais dit, j'ai pas bien vu. Je sais pas si c'est moi qui ai dégommé comme ça, mais. Un conteneur de ressources spéciales à proximité. Ouais, hop. Les journaux de transport indiquent que d'autres prisonniers sont retenus dans le centre. Trois scientifiques sont liés avec l'AIM. Ouais. Reprend notre route vers cette sinistre forteresse. Me plaisent bien tes gadgets, Kate. Ils viennent pas du Shield, si? Non. Un type de l'AIM a eu la malchance de tomber sur moi. Le pauvre a mystérieusement égaré son équipement dernier cri. J'ai juste apporté quelques modifications. Pas mal. Téléporteur de courte portée, cap d'invisibilité, et très intuitif en plus. Ok. Quoi de plus jouissif que de martyriser l'AIM avec ses propres équipements? Non, cours vite, ça va, cours, cours. J'ai la porte en visuel. Petite effraction comme je. Ah, par contre, ça, ça fait du dégât, ça. Ah, je fais des méga flèches. Parfait, je suis tellement fier de moi. Là, hop. Ah, je pose toucher. C'est parti pour notre entrée fracassante. J'espère qu'on respecte le dress code. Ah. Ouais. Encore un petit équipement. Compétences. Le dress code de ce soir, c'est AIM en peine. Oh, qu'est-ce que c'est nul. J'adore. Catherine Elizabeth Bishop, fille de Derek et Eleanor Bishop. Détective privé et agent du SHIELD en freelance. La vie privée, il connaît? Il peut nous entendre, Jarvis? Mais on vous surveille de près, Avengers. Oh, bien. Comme ça, je peux vous dire de vous occuper de vos oignons. Essayez de ne pas mourir avant qu'on se voit en personne, Mademoiselle Bishop. Mourir? Je suis bien trop mignonne pour mourir, mon grand. T'avais raison. Ce Gates a vraiment l'air d'un pervers. C'est un taré, quoi. Je crois qu'on a perdu l'effet de surprise. On va rencontrer un peu plus de résistance à partir de maintenant. Ah, c'est pas pour nous défaire. D'abord, on libère les scientifiques, ensuite, on trouve Gates. Là, j'étais déplacé. Bon, j'ai pas d'amitié tout le monde, non?
Malheureusement, parce que sinon j'aurais jamais terminé. Je crois qu'on atteint le labo. Enfin, la prison. Un peu des deux. Avengers, sortez-nous de là, je vous en supplie. Il doit y avoir une console quelque part qui permet d'aller sur la barrière. On doit porter secours à ces gens. Merci. On voulait pas les aider. Ils nous ont forcés. Hé, hey, on sait. Tout va bien. Pourquoi Gates vous retenez ici? Pour de la robotique expérimentale. On se contentait d'intégrer cette technologie qui venait de... je ne sais où. Ils ne savent rien. Vous perdez votre temps. Oh putain, y'a du monde là. Ah ça serait bien ça fait je trouve ça là. Bon travail. Ça a l'air bon pour l'instant. Allez hop. Oh mon dieu. Faut que je fasse par où là? Oui. Là il me reste celui-là. Ah mais j'ai monté un niveau. Hein. Voilà. Hop. C'est un léger contretemps, tout au plus. Ouais, montagne ou direct. Et ils seront vite remplacés. Personne n'est indispensable. À part moi. Hé, hey, Jarvis, il est plein, c'est une jet. Il reste de la place, mademoiselle Bishop. Qu'est-ce que tu prépares, Kate? On va chauffer le docteur Kate et l'emmener avec nous. Plus question de taper les coups. Tu es une rocaille, pas de doute là-dessus. Après toi, Kate. On peut sauver Barton. La violence, c'est tellement banal. Mais je n'en attendais pas mieux de la protéger, donc. On va voir ce que va faire banal. Vous pensez vraiment pouvoir me faire du mal avec des armes de l'âge de pierre? Vous vous êtes fait du mal en choisissant cette tenue. Rendez-vous. Je serai un peu moins. Dur. Je l'écouterai à votre place. Elle me fait peur et elle est de mon côté. Vraiment? Vous n'êtes pas rancunier, hein, Bishop? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, imbécile! Vous auriez dû fuir des bouchers scientifiques, Bishop. Désolé, mais non. J'ai une flèche rien pour vous, vous savez. Elle est taillée au laser, du coup.
Oh, je dégomme. Ça, ça tire de tous les côtés. Ouais, battu, super. Échec inmat, Doc. Ramenons-le au vaisseau. Allons-y pour l'extraction. Ben voilà. Mission terminée. Ben voilà les amis, hein. Ben dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, dites-moi tout. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir, et on se dit à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, abonnez-vous!